Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Company of Heroes 3. On se retrouve pour la suite de notre campagne italienne. Et on est de retour donc sur la petite map. Il fallait que je mette fin à mon tour pour le moment. De toute façon, je ne peux pas recruter avec ma limite de population ni rien. Donc, ouais, on devait rejoindre les alliés là-bas, c'est loin. On va continuer, puis on va voir. Hein. Il me reste des compagnies non utilisées, affichées, pardon. Ouais. Ouais, très juste, très juste, très juste. Ok, je vérifie juste ce que je peux faire. Ça non, ça non. Ouais, bah on va aller détruire ça, allez. Voilà. Et on va mettre fin au tour. On a toujours l'aviation qui nous tourne autour. Qu'est-ce que ça fait les avions qui me surveillent comme ça? Commander, I have asked my people to allow you to request their support through the region's partisan hubs. I hope their help will prove useful. Ok, un groupe de partisans. Vous pouvez utiliser les compétences des partisans depuis n'importe quel centre de partisans capturés. Les compétences ne coûtent aucune ressource, mais c'est un groupe de partisans disponible pour être utilisé. Vous pouvez débloquer d'autres groupes de partisans en accomplissant des objectifs en rapport avec les partisans, en augmentant la loyauté de Valenti ou en capturant suffisamment de centres de partisans. Alors, ça c'est un centre de partisans, si je comprends bien. C'est aux compétences de partisans. Groupe 1 sur 1, ouais. Okay, ils peuvent faire des dégâts. Piller une cible, observer, signaler. D'accord, donc c'est gratos. Donc sans, si je fais explosif et que je fais ça. Trop près, ok. Trop près. Ah oui, ça c'est trop près quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Cerner la cible, demain qu'on pendant ce centre de partisans, ce qui permet aux partisans d'immobiliser les compagnies ennemies. Pas mal ça. On peut cerner celle-là trop près. Bah ouais, mais bon, en même temps, trop près, trop loin. Ils peuvent pas se déplacer donc. Si je leur débloque ça et que je fais capturer la cible. Défense de position ennemie pendant plusieurs tours. Une fois cette défense réduite à néant, elle est capturée. Bah c'est pas mal, mais là comme ça, je vois pas trop comment l'utiliser en tout cas. Mais bon, on va envoyer cette compagnie-là de toute façon à leur poursuite, je pense. Eh bah oui, on prit des dégâts, je sais, ouais. Je pense que je vais faire une... Si je fais une résolution auto, ça passe en vrai, non? Quoique quand je compare les forces... On va la faire quand même. C'est vrai que j'ai pris cher. Hein. Voulais la mettre en auto, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, je suis rentré sur le territoire et ouais, ça fait mal les défenses. Men, the crowd's defenses are going to be tough to break, but we've got speed on our side. Quiet down, if we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. We got orders. I don't want to hear a fucking word. March. Ok. Allez voir ça. Hein. Gurkha rifle section ready and waiting. Gurkhas, stand to. Placement invalide. The troop command needs digging in. Commander.
On va prendre eux avec eux, nous. On va capturer ce point-là. Juste que je refasse. Ah bah c'est ça, ils sont là-bas. On va lancer des grenades. Allez hop, on va leur faire mal tout de suite là. Ok, ça se replie. Let's go. Ça. On va produire un canon anti-char immédiatement au cas où qu'il y ait du blindé, comme c'était une unité de blindé. Un anti-tank gun avec des nouvelles modifications qu'ils veulent tester en combat. C'est supposé de packer un plus grand punch, mais il y a du travail à faire sur les sites. Ah, bah si j'avais su. J'ai l'impression de voir un véhicule qui arrive là-bas en plus. Oh non mais les gars quoi. Ah non ça c'est les autres, ok. Bah on va les mettre là. Est-ce que on n'aurait pas section de d'ailleurs, voilà parfait. Thompson. Ouais, on va prendre le Thompson. Ok, il y a du, il y a un petit canon, un char d'assaut ici. Parfait. Toi. On va le faire venir ici même. En soutien. Puis eux. On va les faire descendre. Alors, par là. Par là. Ben voilà, parfait. Heavy machine gun has been deployed for you. My attention. Ah, on va tout de suite ramener une mitraillette pour couvrir cette, ce secteur là qui va être important pour le moment, le temps qu'on s'installe mieux. On va envoyer les sapeurs ici, on va envoyer ici également. D'infanterie, ouais, je pense qu'on va en envoyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Canon automoteur, Bishop. Ok, on va faire un petit canon. De fusil à lunettes, lien de fil, de fusée éclairante. Non, c'est de l'anti-char. On va faire ça, c'est pas mal ça. On est en train de prendre ça là-bas. Ok, parfait.
Du coup, vous allez me prendre ça. Et avec ça également. Bishop 25 pounder carrier is ready. Trop près, c'est ça? Ah, c'est de l'artillerie, oui, d'accord. De l'artillerie, parfait. J'attends le lance-flamme et ça va être très très effectif. Très très efficace, pardon. Ouais, par contre, les gars, là, vous me gonflez un peu là. Oh mais ils vont pas l'avoir, mais punaise. Non, ils l'ont pas eu hein. Ok, donc nous là avec le lance-flamme on a réussi à les avoir. Je vais prendre des mitraillettes en plus. C'est possible. Allez, on va bombarder un coup. Non, j'ai pas envie de les bouger eux, ils sont très bien comme ils sont là en fait. Alors, on va les mettre plus comme ça éventuellement. Mais ça me paraît pas mal moi. Heavy machine gun and crew are ready for orders. I don't like it either. Off your asses. Move. Voilà. Ok, on a du monde ici. Eh ben on va reprendre une section de eux là. Gurkha rifles have been brought up. The sector is in enemy control. Eux ils sont là, on va leur mettre du Bren cette fois. Faire un petit lancer de grenade et on se casse. Bisous. Merde, j'aurais mieux fait de rien faire. Et bah ben voilà, ma faute, j'aurais mieux fait de rien faire. Ma faute. Ok, alors. Christ,
Il replie, 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 c'est pas la peine. Parfait. Bah voilà. Ça s'appelle un test efficace, ça. Allez, avec eux. Évidemment. Ok. Pas de problème. Alors, je vous dis qu'on va les bombarder. Hein. Tac. Plus tac. Je vais demander un mortier aussi, mais ah oui, mais si les mecs ils restent bloqués là-bas. Et là, je manque un peu de troupes par contre de ce côté, je reconnais. 5 sur l'infanterie là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là? Wow, 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 wow. Putain, heureusement que je vérifie, hein. Ça, c'est bon. Est-ce qu'ils l'ont enlevé là? Ouais. Ok, ils ont de quoi pilonner là-bas.
point is being overrun. Ça c'est bon, ça c'est ok. Là, là et là, bon, d'ici là, ils seront peut-être partis, hein, clairement. Bon, les mortiers là, mais non, ils ont, mais non, oh punaise, j'adore, merci, merci le jeu. Sérieux, en plus c'est le QG quoi, je peux pas le déplacer, non mais franchement. Quoi ce succès que j'ai débloqué là? Mettre des arrêts totaux. Ah oui, donner 500 ordres en post-tactique, ouais d'accord. Et bah je suis trop content, ça me sert strictement à rien l'unité de mortier lourd. Je peux supprimer l'unité. Je peux pas. J'hallucine quand même, hein. Franchement là, pas cool quoi. On va avancer avec eux. Là qu'on va se prendre un coup de mitraillette parce que je sais pas où elle est passée. Ok. D'accord, elle est là. Ça va être chaud. Pars-toi là vite avec. Non mais allez, barrez-vous vraiment. Ah, ils ont fui. Et nous on récupère ça. Parfait. Ils sont nuls. J'aime bien cette amélioration, l'équipe de reconnaissance, ils font des tirs bien précis là, ils font mal hein. Ok. Par contre là, on va prendre un petit bombardement ici. On va aller se foutre là. Artillery barrage on the way. Cover his position. Bim. Bim. Alors, ce qu'on va faire, la mitraillette qui est là, on va venir la positionner ici. Eux, on va les faire marcher sur ce point-là. Limite de population atteinte. Ok, super. Eux, ça m'arrange pas trop, hein, clairement. Eux, ils sont en train de se refaire. Par contre, je trouve ça un peu naze qu'on puisse pas détruire les unités en question, quoi, parce que. Bah eux, ils me bloquent du territoire pour rien, quoi. Bon, enfin, de toute façon, on en refera pas mieux, c'est pas la peine.
Refaire une mitraillette, mais c'est pas la peine. Un véhicule de reconnaissance, ouais, si je peux en faire un, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Alors. Non, non, bah du coup le faites pas. Annulé. Ok, on s'est fait à peu près la même chose. Nous, on a, j'ai voulu prendre l'avance, mais... On va l'allumer là-bas le savant de mitraillette. Trop trop bien les lance-flammes, hein. C'est vraiment... Alors c'est quoi la... En vrai, ce truc-là, il a peut-être une bonne portée, non? Pour les soutenir un peu. Ouais, vas-y. Pour le fun. Et lui, là, il a quoi comme portée? Ouais, plus courte, hein, déjà. Ça, on a dit, ça va... On va le remettre par là. On va pas tarder de lancer les assauts concentrés, hein, de toute façon. En train d'en perdre un derrière. C'est dur d'être un peu partout, hein, c'est le seul problème. Tiens, ben vous, faites un bombardement sur ça, ben faites-le. Et de faire semblant de vous rendre utile. Ils sont vraiment sérieux ces machins. Gorka rifles have been brought up to the front. Brace yourselves. HQ's under attack. Artillery barrack. Our supply line's broken. We have sectors. Ouais, c'était pas utile ce que j'ai demandé, je pense, mais bon.
pire, je me suis bloqué en fait en faisant ça. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu la prise de ça là, tac. Ici. Je pense qu'on va se séparer en deux groupes. Il y a ce groupe là et celui-là qui va revenir prendre ça. Et l'autre groupe qui va partir par là pour essayer de reprendre ce qui nous était dû. Okay. Non mais tu peux me dire qu'ils sont bloqués aussi eux. Eh mais attends, on va faire un truc. Non mais les gars là. Ouais bah punaise. Il y en a un tank ici, donc il va falloir venir comme ça. Le replier là, évidemment. Eux aussi, parce qu'ils nous ont fait n'importe quoi là. Il y a vraiment des ordres qui sont vraiment nazes. Hein. Là, c'est repli tout de suite. Ici on va prendre ça. Ça. Oh ça c'est vraiment de la merde hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce truc là. Je vais l'envoyer se faire défoncer je pense. Alors, parce que c'est un peu le beans, hein. C'est quand même un peu le beans pour prendre tous les points en même temps, c'est un peu compliqué. Go light recon. We've lost target. Commander, we have artillery on standby.
barrage on the way. Run! Keep moving, Bogdanic! Drive them out! It's a grenade! Never hesitate! Merde, la grenade. Mais non, mais il va pas arriver à fuir lui, c'est pas possible. Allez, avec les lance-flammes, ça doit nettoyer. Merde. Ça, j'avais oublié. Alors, du coup, on va reprendre notre blindé là. Va tirer par là. Ils peuvent s'en sortir ou pas? Oh non, évidemment que non. Ça me gonfle ça, mais que ça me gonfle. Que ça me gonfle, bon bref. Eux, ils vont venir là. La mitraillette, elle va venir ici. Et eux pour mon bail reste là prendre le point. Hein. Lance-flamme quand même dans tout ça là parce que merde. Voilà. Qui c'est qu'on a encore dans le coin là? Ah bah oui, il y a eux là. Allez, venez. En vrai, je passe beaucoup trop de temps sur cette escarmouche, elle devrait déjà être finie, mais je pensais pas en chier autant. Donc là, normalement, j'ai juste... Ouf. J'ai juste à y aller, hein. Là, ils peuvent plus rien faire. Hein. Enemy fire is too heavy. Keep your guard up. He's gone. Just a fuel point is being overrun. Squad of Gurkhas have been cut down, all of them. Quit whinging and march. Allez, terminé. Enemy ground forces have claimed a sector. Enemy troopers, get keen. Allez, bim. Faut tenir, hein. Oh,
action ready! Familiarize yourself with that weapon. An HMG crew has been lost to enemy action. Heads down, lads! Orders, jump to it, lads! Grab that gear and no guff! We're losing a strategic point. Artillery barrage on the way. On va tout concentrer là. Mais alors quand je dis on va tout concentrer, on va vraiment tout concentrer. Ah ouais non mais là Ah normalement tiens une seconde. Ok ouais bah en vrai je suis pas sûr qu'on gagne hein. Parce que puisqu'ils ont envoyé après la violence. Mais bon on les a eu, allez. Et bah je pensais pas passer autant de temps sur une escarmouche. J'ai combien de temps d'épisode là? 42 minutes, la vache. Ouais bah voilà. C'est même pas une mission de campagne, c'est juste une escarmouche quoi. Mais bon, après je me suis bien amusé quand même, mais dur dur. Ce qui joue beaucoup de mal dans l'STR, c'est de d'être sur plusieurs fronts en même temps. Alors il y a un mode pause, hein, heureusement, mais même avec le mode pause, c'est dur quoi. C'est dur d'être partout et faire de la micro-gestion, c'est ce qui est le plus dur quoi. Et bon. Surtout que des fois, vous avez les ordres, ils sont un peu chelous quand même. J'espère qu'ils corrigeront ça avec des patchs parce que... C'est un peu relou. Bon, cependant, bim. Bisous, au revoir, à jamais. Si je suis dans un acte de tir efficace contre les blindés, il faut une compétence soutien passif qui améliore les armes anti-char. Ouais, par contre, ça c'est un peu chiant. Merde, je l'ai fait sans faire exprès le truc, je voulais pas. Je vais y aller quand même avec eux parce que j'ai vraiment peur qu'ils me fassent péter mon unité. J'espère qu'ils pourront le faire à ce tour-là. Yes. Ouh. Et puis bah réparez-vous, hein. Faisons ça, et ensuite on a cette utilité là qui allait foncer sur Athéna Lucana. Si j'avais su, j'aurais attaqué derrière. Ah, ils peuvent peut-être encore. Ils peuvent, parfait. Et ils se soignent au passage. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Bah, c'est vrai, c'est Nocera qu'il va falloir que je prenne parce qu'avec Salerne pas loin, je pense que c'est un peu risqué quand même. On peut débloquer le cuirassé à l'achat dans tous les ports maritimes. Les cuirassés peuvent produire des compagnies et tirer un puissant barrage ou le porte-avions. Et des avions. Pas mal, c'est un porte-avions aussi. Bien des deux. Produire des compagnies. Je vais faire le cuirassé. Ah bah c'est peut-être celui que j'avais déjà, non en fait. Enfin, de toute façon ça coûte extrêmement cher, mais oui c'était bien celui-là, le Sauzac. Attirant nos ressources peut faire un bombardement de cuirassés, très bien, pour affaiblir j'imagine les défenses d'une ville. Quoi sa portée? Et il peut jusqu'à là-bas?
Ah oui, d'accord, elle aime pas, désapprouve vos actions. Alors, un coup elle approuve, un coup elle désapprouve. Ouais, bah je vais recharger, je vais pas le faire parce que ça, bon, c'était pas très clair. C'est pas grave. J'avais pas compris que c'était un emplacement stratégique. Bon, je rechargerai à la fin de cette mission, c'est pas grave. On va mettre fin à l'épisode et on reprendra ça une prochaine fois. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup pour tous vos soutiens sur la série. J'en profite pour vous remercier également. Un peu tardivement, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc, merci beaucoup pour l'accueil que vous faites à la série. C'est cool, ça fait bien plaisir. J'espère que ça continuera comme ça. À très bientôt. Merci, bye bye.